Maintenant, cherchez la grenouille. Seuls ses yeux dépassent de l'eau, à l'affût, comme deux périscopes. Attention, voici deux libellules accolées. C'est le fameux vol en tandem, quand elle joue au papa et à la maman. Maman est saisie par la tête, c'est papa qui conduit. Vitesse quand il est seul, 40 à 50 km/h. Avec madame, deux fois plus lent. Mais c'est le modèle anisoptère, aux quatre ailes synchronisées, capable au dernier moment de virage sur l'aile. Et ses yeux à facettes, les meilleurs sans doute parmi les insectes, sont aussi performants pour saisir les mouvements que ceux de la grenouille. Si l'on pouvait parler des intentions de la vie, mais en a-t-elle, on pourrait dire qu'elles sont claires au moins sur un point, l'équilibre entre ses inventions. Sinon, pourquoi ferait-elle en sorte, plus ou moins alternativement, que la grenouille soit nulle et que la libellule cafouille ?